Après avoir travaillé les matières sous des formes très diverses avec la technique de la mosaïque, j'ai eu l'occasion de visiter un atelier de céramique. Et là, le travail de la terre m'a paru évident, voire nécessaire, dans ma démarche artistique. Ça me permettait aussi d'aborder le volume en toute liberté. J'utilise toutes les terres puisque c'est quand même le travail de la terre qui m'intéressait. Donc c'est pas maîtriser le tout, c'est vraiment à nouveau du grès, de la faïence, des grès chamottés, de la porcelaine. Donc à travailler, voire à mélanger ensemble pour avoir des effets au séchage ou à la cuisson. Les terres vont se déformer entre elles puisqu'il y a une lutte de rétractation. Donc ça, c'est vraiment le travail que j'avais en mosaïque et qui est ce travail de la matière brute, en fait, et presque spontané parce que j'ai pas de maquette. En travaillant la terre, petit à petit, je vais vers quelque chose. Et de faire vivre toutes ces matières inertes, de les faire se rencontrer et qu'elles aient un rythme, un mouvement, voire une couleur. Donc on retrouve beaucoup la couleur de l'eau. Tous les thèmes aquatiques sont quand même récurrents depuis des années. Et aussi la matière en fusion qu'on retrouve dans les assiettes, dans les coupes, avec de la pâte de verre qui est mise au fond et qui se cristallise d'une façon toujours inattendue.